Nous nous inclinons devant son trône de grâce pour le remercier encore pour ce jour. La grâce qu'il nous accorde de pouvoir nous rassembler en ce jour. Et comme nous pouvons aussi le réaliser, c'est la dernière réunion de l'année 2013. Comme c'est la dernière réunion, il y aura aussi pour nous aussi un jour qui viendra où ce sera aussi le dernier jour où nous serons sur la terre. Et chaque chose qui a commencé aura toujours une fin. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés parce que nous voulons glorifier notre Dieu, lui redonner encore davantage nos cœurs et nos âmes, nous reconsacrer davantage à lui, pour que nous puissions passer cette année qui vient de passer et aussi entrer maintenant dans une nouvelle année avec lui, et avec aussi des dispositions dans lesquelles nous sommes aussi appelés à pouvoir aussi avoir des décisions aussi fermes, de manière à ce que ce qui était dans le passé puisse réellement aussi s'écouler avec le passé. Et que maintenant, quand nous commençons maintenant un nouveau jour, nous commençons maintenant un nouveau jour, en fait, effectivement, avec des nouveautés dans notre marche et dans notre vie aussi avec le Seigneur, et en prenant des décisions en fonction de ce que, aussi, nous pouvons voir le Seigneur, notre Dieu, montrer, et aussi en ayant aussi à l'esprit la signification des années qui passent et des années aussi qui commencent. Ce qui veut dire que l'Écriture nous le fait savoir aussi que les cieux de la terre que nous voyons aussi passeront un jour. Et nous aurons aussi, à l'aube d'un grand matin, un autre jour. On va réellement aussi commencer dans lequel nous entrerons et pour ne plus encore avoir un autre jour, mais pour que nous puissions rentrer dans l'éternité. Puisse le Seigneur, notre Dieu, nous accorder la grâce de pouvoir réellement être conscients de ce que nous observons et en tirer aussi les leçons. Ce qui veut dire que quand nous regardons l'année 2013, il a commencé, c'était comme si elle n'allait pas finir. Mais aujourd'hui, il arrive à son terme. C'est aussi comme la vie d'un être humain sur la terre. Beaucoup pensent qu'un jour, ils ne seront pas mis dans le cercueil, mais un jour viendra où tu descendras. Ce que nous devons réellement tirer des leçons, la nature même en soi est nos anciens. Donc, c'est pour ça que le Seigneur pouvait dire avec certitude que dans le livre d'Ecclésiaste, effectivement, qu'il vaut mieux vraiment être dans une maison de deuil que dans une maison de plaisir. Parce que dans la maison des plaisirs, on vit dans l'imagination, vous savez, dans les fictions, dans les choses qui sont un peu là. Mais dans la maison de deuil, on devient réaliste. Parce qu'à ce moment-là, on devient conscient que tout ce que je peux arriver à pouvoir faire, la finalité de cela est quoi? Parce que l'homme ou la femme qui l'a fait se trouve là. Il pourrait avoir amassé beaucoup de choses, mais ces choses ne suivront pas. Mais ce qu'il a fait sur la terre, quand il sera de l'autre côté, effectivement, c'est sur base de cela, effectivement, qu'il sera jugé. Nous voulons remercier le Seigneur en ce jour pour cette grâce et nous voulons vraiment clôturer cette année 2013 en lui remettant réellement ce que nous réalisons. Et ce qu'il a fait de nous, que nous avons, et ce qu'il a fait de nous, effectivement, que nous pouvons réellement lui redonner, c'est notre vie. Il nous a conservés tout au long de cette année qui vient de pouvoir s'écouler. De manière à ce que, s'il nous la conserve encore pour l'année qui vient, qu'est-ce que nous allons faire avec cette vie? Qu'allons-nous réellement faire avec la vie que le Seigneur va nous donner, puisque bientôt, donc, je pense 3-4 heures, nous allons passer dans une nouvelle année. Qu'est-ce que d'abord tu as fait avec la vie qui t'avait donnée tout au long de 2013? Et maintenant, tu vas passer en 2014. Qu'est-ce que tu as fait? Tu lui demandes, Seigneur, ajoute-moi encore une année de plus. Est-ce que nous prions? Et Dieu le fait. Ajouter encore. Et quand il va ajouter, qu'est-ce que tu vas faire avec cette vie qui va t'être donnée? Puisqu'il a prolongé, évidemment. Que vas-tu faire avec? C'est nécessaire. Je voulais juste lire une portion de l'Écriture. D'abord, on va passer à la scène, la vache de pied, parce qu'il est important que nous fassions le soir et pas le matin. Donc,
nous allons avoir l'occasion de pouvoir le faire d'ici quelques minutes. Et nous voulons vraiment nous réaliser ce que le Seigneur, notre Dieu, a fait et fait, et aussi pourquoi nous allons aussi être amenés à pouvoir faire ce que nous sommes en train de faire tout à l'heure, effectivement. C'est-à-dire que prendre le temps ici, laver les pieds, ce n'est pas une sorte de coutume, c'est peut-être quelque chose dont l'Église, effectivement, aussi l'importance de cela, et pourquoi nous sommes appelés à pouvoir faire. Ce soir, nous voulons avoir beaucoup plus de temps consacré au Seigneur. Parce que c'est les derniers jours de 2013, nous voulons entrer dans 2014. Nous voulons vraiment que tout ce qui est de 2013 soit enterré avec nous. Ça passe vraiment. Et nous voulons vraiment entrer dans 2014, vraiment de nouvelles créations. Des hommes ou des femmes qui ont pris de bonnes résolutions et déterminés dans ce qu'ils doivent arriver à pouvoir réellement aussi faire pour se passer à Dieu. Dans le psaume au chapitre 65, juste l'écriture nous dit une chose, je pense que je vais simplement le lire ainsi. Chapitre 65 du psaume, verset 2. Avec confiance au Dieu, on te louera dans Sion. Amen. Et nous ici, on accomplira le vœu qu'on t'a fait. Amen. C'est extraordinaire. Amen. Vous voyez, des hommes et des femmes qui ont aimé Dieu, ils ont des résolutions tout à fait fermes. En fait, et ces résolutions sont accompagnées avec beaucoup d'amour à l'endroit de l'Éternel. Il dit, c'est avec, pas avec incertitude ou peut-être hésitation, mais avec confiance. Donc, il dit, avec confiance, oh Dieu, on te louera dans Sion. Mais vous savez, le Seigneur a dit que de tous les endroits, il dit, j'ai choisi un endroit. C'est Sion, et c'est là que j'ai voulu placer mon nom. Et Sion, c'est Jérusalem. Il dit, c'est là que j'ai désiré d'établir ma demeure et de pouvoir y demeurer. C'est là, à Sion, à Jérusalem. Il dit, et c'est à cet endroit que toi, tu as choisi, pas l'endroit que nous avons choisi. Comme nous pouvons vouloir dire, je fais ce que j'ai envie de pouvoir faire à l'endroit où je vais faire, effectivement. Il dit, non, c'est à l'endroit que moi j'ai choisi que tu devras aller là-bas pour porter, c'est-à-dire de ton nom, hein, pour porter ta dîme à toi, même si tu es loin. Mais là où j'ai choisi de passer, eh bien, c'est là où tu vas déposer ta dîme et tout ce que tu as dit pour faire. Et c'est là aussi que je te bénirai. Parce que quand Dieu fait son choix, c'est là qu'il a choisi. Ainsi, il dit, c'est dans Sion donc on te louera. Et c'est de tout notre cœur qu'on le fera. Et puis il dit, et l'on accomplira aussi le vœu qu'on t'a fait. Amen. Donc, il faut qu'on se souvienne, nous, de ce que nous avons fait comme vœu à l'Éternel. Et la Bible dit quelque part, il ne presse pas d'ouvrir la bouche devant Dieu. Hein, pour pouvoir faire un vœu, ceci et cela, il faut faire très attention. Donc, quand tu dois faire un vœu à l'Éternel, réfléchis bien. Parce que ce n'est pas un homme. Il est toujours calme, il nous regarde effectivement, mais il nous écoute. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et qu'est-ce que toi tu veux faire pour moi? Vous comprenez? Alors, lorsque on a fait un vœu à l'Éternel, on doit avoir de l'empressement à pouvoir accomplir ce vœu. Peu importe les circonstances, mais on doit avoir de l'empressement à accomplir ce que nous avons dit à l'Éternel. Alors, verset suivant dit, ô toi qui écoutes la prière. C'est merveilleux, non? Parce que nous savons certainement que le Dieu que nous servons est un Dieu qui n'est pas sourd. Ses oreilles sont attentives à la prière du juste. Quand le juste prie, l'Éternel entend. Et quand il entend, c'est sûr qu'il exauce. Il aime à exaucer le prière. Nous approchons et que nous entrons aussi dans une année nouvelle en reconnaissant qu'effectivement qu'il a toujours été un bouclier, un soutien pour nous. Et dans nos détresses, lorsque nous prions, il n'a jamais manqué. Frères et sœurs, Dieu a toujours répondu. Amen. Même si ça ne convenait pas à notre attente, mais il a toujours répondu. Amen. Il ne nous a jamais laissés. Amen.
Parce que quand nous prions, quand nous pleurons, Dieu voit. Amen. Et il entend. Alors, Amen. Il nous exauce parce que nous disons quand nous prions, Seigneur, notre Dieu, tu vois notre douleur, notre cri. Mais seulement que ta volonté soit faite. Amen. Amen. Quand nous disons cela, alors il prend plaisir. Amen. Parce que sa volonté à lui soit faite. Amen. Que ça nous fasse mal, mais que sa volonté soit faite. Amen. Alors il continue ici, il dit, tous les hommes viendront à toi. Amen. Les iniquités remarquables, tu pardonneras nos transgressions. Amen. Nous avons auprès de lui cette grâce, c'est que quand nous nous approchons de nos confessions de péché, il nous pardonne. Amen. Lorsque nous nous reconnaissons, hein, et je crois que c'est dans le livre de Jean, je pense, où cet homme de Dieu, je pense que c'est cela, hein, dans le livre d'un Jean, il est ici. Je pense que c'est ça. 1 Jean, chapitre 2, verset 1, dit, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il est lui-même une victime propitiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. Il dit, heureux donc celui que tu choisis et que tu admets à ta présence, ou qu'il habite dans tes parvis. Amen. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux, comme vraiment l'expression de celui qui réalise en fait la grâce qu'un homme ou une femme peut trouver pour que Dieu puisse le choisir et qu'il fasse son choix de cette personne. Et qu'il puisse l'admettre effectivement que quand il était choisi, regardez frères et sœurs, quand le roi Assuérus avait fait partir Vati, il a choisi Esther. Vous vous souvenez? Et après la loi, le maître de Perse, je pense, c'était cela effectivement, lorsque le roi n'avait pas appelé quelqu'un, soit une reine, ou soit sa reine, effectivement, qu'il avait parlé, il ne pouvait, si la personne rentrait dans la présence du roi, il s'efforçait de voir rentrer sans que le roi l'ait appelé, cette personne était mise en mort. Cette personne devait être mise en mort parce qu'elle ne pouvait pas se présenter devant le roi de son plein gré sans que le roi puisse l'appeler. Parce que pour que tu viennes dans la présence du roi, eh bien, il fallait que le roi ait le désir de pouvoir te faire venir. C'est merveilleux, non? De pouvoir savoir que le roi m'invite à entrer dans sa présence. Que la grâce nous avons effectivement que le Seigneur aussi nous convie aussi à ce que nous puissions nous tenir. Lui nous convie. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas se dire que nous pouvons nous approcher de lui comme on veut. Non. Qui pourra s'approcher auprès de flammes éternelles? Vous savez, non. Personne ne peut s'approcher comme il le veut de Dieu, en fait. Et alors, lorsque la situation était devenue tellement aussi problématique, et que les Juifs, avec Aman qui avait pris les décrets pour détruire tous les Juifs, effectivement, et il s'est passé quelque chose que Mardoché a parlé à Esther, effectivement, il dit, mais voici, nous sommes dans une situation très difficile, parce que Aman a pris cette décision, tous les Juifs vont être tués. Et alors, il dit, effectivement, bon, il dit, mais peut-être que c'est à cause de ce qui va se passer, effectivement, ce qui est passé, c'est pour cela aussi que Dieu a permis que tu sois reine. Alors, puisque tu es à cet endroit-là des reines, tu peux plaider la cause. Le peuple juif, auprès du roi. Et qu'est-ce qu'Esther a répondu? Esther a répondu en disant, mais tu sais que ça fait 2 mois que le roi ne m'a pas appelé dans sa présence. Donc, et tu connais aussi l'édit du roi, quiconque entre dans la prison du roi sans être appelé, c'est la mort. Et moi, je n'ai pas été appelé par le roi. Il est occupé par ses affaires, mais je n'ai pas été appelé par le roi. Et si je rentre aujourd'hui, évidemment, mais c'est ma mort que tu demandes. Et vous connaissez ce que Mardoché a dit? Si toi, aujourd'hui, tu n'agis pas, il n'y a pas de problème. Mais les secours de Juifs viendra des dieux. Esther n'avait pas refusé. Elle faisait comprendre à Mardoché la situation et l'état. Et puis maintenant, quand il a parlé à Mardoché, Mardoché aussi lui a parlé. Il a dit à Mardoché,
Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas manqué de respect. J'ai voulu te faire comprendre. Et voilà, réellement, la conséquence quand on rentre dans la présence du roi. Mais si tu veux, fais-moi aussi maintenant perdre aussi celle qui te regarde comme ta fille à toi. Effectivement, il n'y a pas de problème. Et c'est la cause, effectivement, du peuple juif, je suis membre. Mais je ne manquerai pas. Mais seulement maintenant. Avant que je rentre dans la présence du roi, je vais d'abord rentrer dans la présence du roi des rois. Amen. Parce que si lui malgré, aucun homme ne peut me refuser. Amen. C'est vrai, vous savez. C'est ainsi que Esther a dit, bon, vous aussi de votre côté, jeûnez pendant 3 jours et 3 nuits. Moi de mon côté, je vais jeûner pendant 3 jours et 3 nuits. Jeûner pourquoi? Pour que Dieu lui accorde la grâce. Amen. Et trouver grâce aux yeux du roi. Vous savez, vraiment, Esther était une fille, était très sage. Elle avait une grâce vraiment extraordinaire. Lisez les Saintes Écritures, frère, vous pouvez voir. Esther, c'est encore extraordinaire, mais prenez aussi dans le livre de Ruth, effectivement. Hein. Je crois que c'est Ruth, hein? Vous connaissez Ruth, non? Ah oui, nous l'avons lu avec Lucien. Regardez les caractères de ces jeunes filles-là, ces dames-là, effectivement, comment elles se sont tenues et comment Dieu les a élevées, en fait. Et quand elle a prié pendant 3 jours et 3 nuits, effectivement, en priant, en demandant la grâce du Seigneur, toi qui écoutes les prières, tu as entendu. Et après 3 jours et 3 nuits de prières, effectivement, et de jeûne, la jeune Esther s'est levée. Elle était, voyez-vous, pour que vous puissiez voir qu'elle était dans l'assurance de ce que son Dieu l'avait écouté. Elle a porté ses habits royaux. Et avec l'allégresse qu'elle avait, comme Dieu avait fait d'elle, effectivement, elle est rentrée avec la grâce de Dieu. Elle est rentrée dans la présence. Le roi était occupé, il pouvait s'énerver, mais là, tous les démons avaient perdu la force. Le fait de pouvoir la voir rentrer avec ses frères et sœurs, j'ai dit, les sœurs ne comprennent rien du tout. Vous ne pouvez pas vous rendre compte de la grâce que Dieu vous accorde. Vous perdez votre nature en vivant la vie des chiens, en criant, en montrant, ou vous jouez à la comédie, ça ne vous va même pas. Une fille de Dieu, elle est différente. Amen. Et surtout quand elle est vraiment habillée de cette robe de grâce de Dieu. Qui ne peut pas lui faire des honneurs. C'est en fait, c'est par là qu'on glorifie les Seigneurs. C'est vrai, non? C'est toujours par les seuls. Et si vous remarquez très bien, frère, dans la plupart des cas, même quand vous voyez, par exemple, dans les Saintes Écritures, regardez très bien, même dans différentes assemblées, c'est souvent, la plupart du temps, les femmes qui reçoivent plus la parole, qui s'accrochent beaucoup plus par rapport aux hommes. Les hommes aiment beaucoup discuter la parole. Ils ne sont pas toujours tous pour des prédicateurs. Mais c'est la vérité. La plupart des frères qui sont les aiment toujours un peu parce que vous ne verrez pas un frère s'humilier comme une sœur. C'est rare, que Dieu bénisse nos jeunes garçons que je vois, c'est rare de pouvoir voir des frères. Tous ils veulent en fait montrer effectivement que bon, je reste un peu pour montrer masculin, ça ne sert à rien. L'humilité est précédente. Quand la parole de Dieu touche une femme, une véritable sœur, vous voyez sa nature. Vous voyez, vous savez, je vous l'ai déjà montré dans les scènes. Je ne vais pas rester longtemps dans l'enfer, évidemment. Je vous ai montré dans les scènes d'écriture que vous dites. Pourquoi est-ce que Dieu veut que nous relations? C'est important. Je vous ai montré dans les scènes d'écriture. Regardez, même quand le Seigneur a été enseveli, les hommes l'ont abandonné. Les hommes l'ont fouillé. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Tous les hommes ont fui, mais les sœurs qui étaient avec lui ont suivi même jusqu'à la tombe. Et arrivés à la tombe, ils ont trouvé un homme là qui était un jardinier. On a trouvé que le tombeau était vide, effectivement, et il pleurait. Ils ont même demandé, ils ont dit, mais où l'avez-vous mis? Donnez-le-moi, même mort, je le veux. C'est pas un frère qui s'est tenu là. Non, quand on verra parler, c'est l'autre à la maison. Mais les sœurs ont pris le courage, effectivement, de pouvoir aller. Dieu n'a jamais dit que les femmes, les sœurs sont des torchons ou des vauriens, effectivement, dans le message. Non, ce sont les frères qui n'ont pas bien compris la parole de Dieu et qui ont placé les choses à la mauvaise place. Chaque chose, Dieu honore, c'est lui l'honore. Amen. Alléluia.
C'est vrai, non? Là, nous plaçons effectivement les choses de Dieu. Jamais avez-vous vu déjà le Seigneur, notre Sauveur, mépriser une sœur? Non. Je vous pose la question, non? Si vous me regardez comme s'il est en train de pouvoir. Mais non, avez-vous méprisé? On a même amené une sœur qui était considérée, surpris en flagrant délit adultère. Vous pouvez la mépriser? Mais non. Où il a accueilli, il a même montré effectivement la nature d'un véritable fils de Dieu. Quand tous sont partis, effectivement, il pose la question, où sont ceux qui t'accusaient? Et la femme l'a regardé, lui dit encore là. Il dit non, non. Moi non plus. Tu ne t'accuses pas. Va, il ne me pêche plus. La pécheresse, quand elle est venue, Simon l'a méprisé. C'est ça la religion. On fait comme ça, en fait. Mais Dieu n'en fait pas ça. Simon l'a méprisé, mais lui n'a rien dit. Il a continué. C'est ce que les sœurs. Oui, les sœurs dans les églises, les sœurs. C'est une tradition de laquelle les gens se sont trouvés. Parce que. Frère Branham avait un ministère, vous avez été l'esprit d'Élie. Mais vous n'avez pas l'esprit d'Élie. Oui, mais. Ça, frère. Moi, j'ai un ministère apostolique. Si vous avez les vôtres, vous ne pouvez pas le comparer au mien. Le mien, je prêche la parole comme Dieu me conduit. Avec les ministères que j'ai. Et j'ai les canaux que Dieu m'a donné. Lui, il était un prophète, il a un canal que Dieu l'a donné. Donc, on ne va pas copier parce qu'il disait, il faut comprendre pourquoi il parlait comme ça. Et toi, tu mets là, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes. On n'a pas non plus de remonter les femmes, mais il faut que chacun soit à sa place. Sinon, on exagère là, on fait ceci, on fait cela. Donc, il faut que l'évangile nous montre à chacun notre place. Où nous sommes, effectivement, parce que nous sommes tous des gens. La Bible, qu'est-ce qu'il dit? Maintenant, il ne faut pas qu'on confonde, comme il dit. C'est-à-dire que tous ceux qui sont des équipes de son, il a bien, je pense, un caractère, je vais dire cela avec vous, hein, pour que vous puissiez voir vraiment cela, comment si le Seigneur me fait quelque chose. Dans le livre de Galates, je pense que c'est cela. Galates, chapitre 3, verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pardon, Galates 3, verset 26. Pour tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez revêtu Christ. Vous suivez? Verset 28, il dit, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Vous voyez le regard que le Seigneur pose sur nous. Vous allez dire, oui, frère Bernard, il commence un peu, on commence à sentir. Vous sentez ce que vous sentez, mais l'Écriture nous montre la place que nous devons placer chaque chose. Il ne faut pas nous oublier à l'extrême, effectivement, nous traiter les gens. Il faut que la parole de Dieu. Et si nous regardons même dans l'Ancien Testament, comment Dieu regarde effectivement ce qui est dans le Nouveau Testament, effectivement, nous pouvons voir que Dieu a toujours été un Dieu d'amour, mais plaçant chaque chose à sa justice. Pour que nous puissions vraiment apprendre effectivement à aller dans les choses comme Dieu. Nous continuons vite dans le livre pour que nous puissions aller dans le Saint-Esprit. Il dit ceci au verset que nous avons lu. Il dit, heureux donc que tu choisis, que tu admets en ta présence. Donc, comme nous disons, alors Esther, effectivement, elle a porté ses habits royaux. Vous vous souvenez? Parce que l'édit du roi était que tous les juifs devaient être tués. Et vous suivez cela? Regardez ceci, s'il vous plaît. Donc, tous ces juifs-là, avec Amman qui avait fait ce qu'il avait fait, effectivement, le roi avait mis son anneau, c'était terminé. Alors, vous savez d'où est venue la délivrance de ces juifs-là? C'est pas par un homme, hein. C'était par une femme. Je n'ai pas entendu. Hein. C'était par une femme du nom d'Esther. Cette femme-là, par elle, les juifs ont été délivrés. Et là, il a pris son courage, il a pris la foi qu'il avait effectivement, parce que Mardochée lui portait du doigt. Il est reine, voici même la situation qu'il est là. Vous pouvez aussi dire, non, 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 moi je suis reine, hein, je ne veux pas bouger. Non, si ça bouge là-bas, je reste ici. Non. Il a compris aussi que c'était son peuple. Elle est allée effectivement. Mais frères et sœurs, je ne sais pas, mais Dieu nous aide. Cette femme ici, elle avait une sagesse extraordinaire. Dieu a aimé Esther. Amen. Parce que quand Esther est rentrée, la grâce de Dieu l'avait réellement environnée, entourée. Et puis, le roi était occupé. Quand il a vu Esther rentrer, dans ses habits réellement, les reines, effectivement, elle est rentrée là. Le cœur du roi, directement, parce que la loi disait que si le roi n'étend pas son sceptre, c'est terminé. Quand le roi a vu la reine,
Il est rentré avec tout. Et ces dignitaires-là, occupé à tout ça. Oh là 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 là. Le ciel n'était que pour sa reine. Alléluia. Automatiquement, il a pris sa main, la cintre et a tremblé. Alléluia. Il dit, que veux-tu que je fasse pour toi, ma reine? C'est vrai. Amen. Ça, c'est Dieu, en fait. Amen. Quand on est obéissant, Dieu. Il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il n'a pas dit, oh roi, je viens pour que tu arrêtes et tout. Il était sage. Amen. Oh, s'il plaît au roi, il vient parce que je relise quelque chose. Lisez les livres, lisez les écritures, frère. La sagesse que cette dame avait, effectivement. Je lui ai dit, bon, je viens chez toi parce que j'ai géré 3 jours, 3 nuits, et voilà là-bas, ma maman a fait, Non, elle était très sage, toujours polie, toujours douce. Oh, moi, j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de pouvoir venir à ce que je fais comme festin. Comprenez? La sagesse. Que Dieu aide nos soeurs. Que Dieu aide nos soeurs pour l'amour de Dieu. Et le roi dit, oh, ouais, si cela est ainsi, pas de problème. Dieu a donné la sagesse à Esther. Et puis il est rentré, il dit, Aman, 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 Aman. Si tu veux, Aman, je t'invite aussi à ma fête. Aman, c'était l'ennemi, non? Eh bien, le roi, c'était son mari, non? Et le roi et Aman venaient ensemble. Oh, Aman était là. Je suis invité par la reine. Il ne savait pas que c'était une fille de Dieu. Elle avait la sagesse du fils. Elle avait un but, sauver son peuple. Mais pas n'importe quelle manière, avec la sagesse de Dieu. Lisez, 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 frères et sœurs, lisez. Et quand le roi est venu et Aman aussi est venu, la reine avait préparé son festin. Le roi va, j'ai dit, le roi vient, j'ai dit, mais oh ma reine, qu'est-ce que tu veux que je puisse t'étonner, toi? Et si le roi trouve bon qu'il revienne, le roi est revenu encore. Et puis, Aman est venu. Aman est quand il a été chez lui, il dit, oh, moi, je suis considéré la reine, m'a invité à sa table. Et puis, maintenant, le jour bien dit, mais, oh, mon roi, nous sommes en péril. Il dit, nous sommes en péril. Parce que, après avoir été accueilli par sa reine, et mis en à manger, elle a vu l'obéissance, le respect, et tout, parce qu'il était comme ça. Il dit, mais un peu, qui est en péril? Il dit, moi et mon peuple. Toi! Alors, quand il a dit ça, Aman qui était avec le verre dans sa bouche, avec les gens demandaient, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, oh! Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a, ma reine? Il dit, moi et mon peuple. Il dit, ton pays, mon peuple. Il est vendu. Vendu par qui? Oh, frère, Dieu est grand. Amen. Dieu est vraiment grand. Quand Aman a vu cela, et alors maintenant, regarde comment Dieu fait les choses. Et cette femme ici avait invité Aman ici, dans cela. Et puis, il était, vous savez, comment dans le palais royal, était allongé dans son côté, effectivement, comme tu vois, comme un lit comme ça. Et puis, quand le roi a entendu cela, il dit, qui a fait ça, effectivement? Et puis, c'était le convié Aman. Le roi était facile de tourner la tête, comme ça machine. Hein. Aman voyant maintenant sa mort. Elle est allée maintenant rapidement vers la reine. Oh reine, pardon, comme ça allongé, non? Oh reine, pardon, pardon. Le roi tourne. Il dit, en plus, tu vas avoir ma femme. Il dit, ah, c'est fini. Donc il fallait que la colère monte. C'est comme ça. Aman a été pendu. Au bois qu'il avait préparé à Mardoché. Alors maintenant, il appelle Mardoché. Mardoché, parce qu'à ce moment-là, Esther a fait connaître venant sa parenté avec Mardoché. Le roi dit, mais c'est toi qui m'avais aidé. Parce que vous connaissez l'histoire. Amen. Dieu est toujours Dieu qui prépare les choses. Amen. Pourquoi soyez confiants? Amen. Ne vous précipitez en rien. Moi, je prends décision, je fais non. Laissez Dieu. Amen. Il va préparer en obéissance, en respectant la parole de Dieu. Restez tranquille. Amen. Dieu, quand il a l'œuvre, il achève. Amen. Alors, c'est lui maintenant qui fait effectivement que. Oh oui, donc c'est toi. Oui, Mardoché, mon nom. Mais Mardoché. Tu prends la direction, dites maintenant aux Juifs, dis-leur qu'ils peuvent prendre maintenant des bâtons et couper la tête de tous ceux qui viendront. Oh oui, les Juifs avaient l'autorité de l'eux. Personne ne pouvait les toucher. Grâce à qui? Esther. Lisez les Écritures, frère. Vous verrez que Dieu a utilisé les choses pour qu'ils puissent aussi montrer aussi son amour. Il dit, heureux donc celui qui va lui-même en ta présence. En ta présence. Pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple.
Dans ta bonté, tu nous exauces par les folies, Dieu de notre salut. Espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il a fermé les montagnes par sa force, et il est saint de puissance. Il apaise les mugissements de mer, les mugissements de leurs flots et les tumultes de peuples. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient de tes prodiges. Tu remplis les l'Église, l'Orient et l'Occident. Tu visites la terre et tu lui donnes effectivement l'abondance et tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu ne prépares les blés quand tu la fertilises ainsi, en arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes. Tu les détends par les pluies, tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes biens. Et tes pas versent l'abondance, les plaines des airs sont abreuvées, et les collines sont saines d'allégresse, et le pâturage se couvre des brebis, et les vallées se revêtent de froment, les cris de joie et les chants retentissent. Amen. Voilà, on voit que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde vraiment sa grâce, et que nous puissions réaliser l'importance de pouvoir la voir. En passant que cette année, l'année nouvelle, de manière à ce que réellement que nous puissions entrer dans cette année avec des dispositions et surtout une plus grande reconnaissance pour ce que lui, il est en train de faire parmi son peuple. Et la grâce de ce qu'il nous a ouvert réellement les yeux pour que nous puissions voir. Et aussi de la manière dont le Seigneur, notre Dieu, nous nourrit aussi spirituellement. Comme la Bible dit effectivement que c'est Moïse qui l'a dit, afin que tu saches que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est ainsi que nous rassemblons encore en ce jour et que nous voulons, étant rassemblés, réellement participer à ce que lui-même a eu à pouvoir ordonner. Parce que cela est quelque chose qui est important pour le vrai croyant. Nous étions éloignés des années de cela, et puis des centaines d'années, à cause de tout ce qui était entré dans les choses de Dieu, et qui a transformé effectivement même la façon dont les choses devaient être faites. On a eu à pouvoir remplacer cela par les hosties et tout un tas de choses, effectivement. Mais Dieu, dans les derniers temps, nous a restaurés. Amen. Nous a donc ramenés à ce que nous puissions revenir sur le fondement véritable pour que nous puissions réellement appliquer les choses comme le Seigneur l'a demandé. Comme, pas comme une formule, effectivement, mais parce qu'il y a une parole qui est dite, effectivement, dans cela. Dans 1 Corinthiens, je voudrais que nous lisons cela avec vous, je suis parti. Que vous connaissez aussi, afin que nous comprenions aussi toujours l'importance de cela. 1 Corinthiens, au chapitre 11, je pense, le verset 23, il dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut pris, il prit donc du pain, et après avoir rendu grâce, les rompit, et dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. » Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit donc la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. En fait, cette mort du Seigneur, elle est quelque chose de tellement permanent en nous. Parce que nous devons réaliser effectivement pourquoi il a été brisé. Pourquoi il est réellement allé jusqu'au calvaire. Parce que la Bible dit ici que, car toutes les fois, ce n'est pas une coutume en fait, c'est-à-dire que c'est en mémoire, donc quand nous mangeons, quand nous rassemblons, nous nous disons, mais Seigneur, si aujourd'hui on peut manger ce pain, c'est que quelque chose s'est passé. D'abord qu'il peut manger ce pain. Ce n'est pas un païen. Non, les païens n'ont pas de place pour l'amour de Dieu. Ce n'est pas un soi-disant croyant. Non. Ne peut manger ce pain que celui-ci. Regardez dans les Saintes Écritures, au chapitre 1 Corinthiens, au chapitre 10. Verset 15 dit, « Je parle comme à des hommes intelligents.
Jugez-vous même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Vous voyez effectivement les termes qui sont utilisés. Il est parlé de la communion au sang de Christ. Pour la coupe. Maintenant, regardez. Et le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Donc, le sang est aussi le pain. Vous vous souvenez, hein, ça doit vous rappeler, il a dit, celui qui ne mange ma chair, ni ne boit mon sang, n'aura pas la vie. Amen. Donc, c'est important pour nous ce soir que nous comprenions effectivement que nous ne sommes pas venus là pour simplement faire quelque chose pour dire que je dois manger, parce qu'il faut faire très attention. L'Écriture dit ici, nous revenons au chapitre 11, d'abord premier chapitre 12 après, chapitre 11, premier chapitre 12 après, regardez très bien. Il dit, verset 27, 1 Corinthiens 11, verset, il dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Donc, ce n'est pas quelque chose à pouvoir prendre à la légère ou avec un empressement, je dois le faire parce que c'est une famille, tout ça, on doit le faire. Non, mon frère, non, ma soeur. Parce que c'est pas moi qui dis, quand la Bible dit, elle dit. C'est lui qui boit effectivement, qui mangera la coupe, et qui mangera le pain, qui boira la coupe du Seigneur, indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est assez clair. Donc chacun de nous doit être conscient que nous ne sommes pas là pour pouvoir jouer ou pouvoir faire du théâtre. Non, mon frère, il faut être conscient. Et si je dois toucher cela, je dois comprendre d'abord, discerner le corps du Seigneur. Qu'est-ce que c'est d'abord ce corps? Qu'est-ce que... Vous savez, dans le livre de Corinthiens au chapitre 12, non, juste en dessous du chapitre 11 qu'il a dit là, hein, nous lisons avec vous ici. Verset 12 dit, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Vous suivez? Donc nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Vous voyez cela? Et si nous revenons maintenant, vous avez entendu, non? Été abreuvé d'un seul esprit. Parce que pour former un corps, effectivement, nous avons entendu, vous le savez, effectivement. Maintenant, si nous revenons dans le chapitre 10, nous avons lu tout à l'heure, parce qu'il dit, d'abord, il s'est dit, il faut discerner le corps. Vous suivez? La coupe. La chaîne, donc, la coupe, effectivement. Et aussi, le pain que vous mangez, il faut discerner. Parce que celui qui ne discerne pas, qui mange des bois, jugement contre lui-même. Il faut vraiment, ne prenez pas la légère, mon frère et ma soeur. Ne prenez pas cela que vous entendez ce soir la légère. Il faut vraiment que vous soyez conscient et discerner la chose. Nous ne sommes pas à l'église catholique. Nous ne sommes pas à l'église pentecôtiste ou baptiste qui font des choses par formule. Mon précieux frère, juste un tout petit peu, diminuer cela, essayer un peu de voir. Et quand je ne sentirais pas bien, je t'ai demandé de pouvoir l'allumer. Donc nous ne sommes pas à l'église pentecôtiste. Nous sommes sortis de tous ces dogmes où les gens se donnaient simplement parce que bon, ils allaient par là, parce que la famille y va, parce que ci y va. Non, nous nous sommes conscients de ce que nous avons reçu, et de ce que nous sommes et dans quoi nous nous trouvons. Donc il faut que tu puisses comprendre effectivement pourquoi, dans ce temps, Dieu veut que nous puissions agir comme cela. Et l'Écriture dit, c'est lui qui boit indignement. Sera coupable. Donc il faut discerner le corps. Je le dis encore ici, hein, il dit, verset
verset 27, il dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur, et chacun donc se couvre soi-même. Et ainsi, il mange du pain et boit de la coupe. Effectivement, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pourquoi il dit, il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Vous suivez? Donc je retourne maintenant au chapitre 10. Chapitre 10, il dit ceci. Verset 16, un peu plus bas, il dit, je lis d'abord verset 16, il dit, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Vous suivez? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Vous me suivez maintenant? Verset 17, il dit, puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il faut discerner le corps de Christ. Alors, comment, alors, toi, qui dois faire partie du corps, tu es assis là, mais tu as un problème avec ton voisin ou avec ta voisine. Mais tu veux prendre le pain. Mais tu veux voir le vin. Parce que c'est lui qui doit boire, qui doit prendre, effectivement, qui doit s'examiner. C'est écrit comme ça. Il dit, il faut absolument discerner le corps. Or, un corps a un esprit. Ce qui veut dire que nous tous qui sommes du corps, nous devons avoir le même esprit. Si nous avons le même esprit, nous avons la même foi. Vous voyez, frère, l'importance de pouvoir respecter ce que votre pasteur vous dit. De respecter ce qui vous est prêché ici. Pas ce que vous pouvez entendre à l'extérieur, mais ce qui vous est prêché ici. Parce que, frère, pour que nous soyons un, il faut que nous puissions avoir la même foi, le même enseignement, même doctrine. Mais si tu es ici, physiquement, mais spirituellement absent, il y a un problème. Comment peux-tu dire que je suis en communion avec la personne que tu critiques? Tu n'es pas tout d'accord avec la parole. Tu n'es pas d'accord, tu parles de ce qui t'est fait, mais je viens quand même. Mais tu vas manger quoi, le pain avec qui? Tu n'es pas d'accord avec lui, tu n'es pas d'accord avec lui. Comment tu peux dire, oh Seigneur, nous partageons le même pain. Le même pain là, ça veut dire que moi et lui, nous sommes dans le corps, unité, dans la foi, et nous croyons la même parole, nous aimons. Alors il n'y a pas de guerre, tout est en paix. Vous savez ça? C'est pas moi qui dis, mon frère. C'est écrit ici, regardez, je le dis encore. Verset 17. Puisqu'il y a un seul pain, on n'a pas deux. Un seul. Mon frère, c'est un seul pain, non? Puisqu'il y a un seul pain. Puisqu'il y a un seul pain. Nous qui sommes plusieurs. Ouais, non? C'est clair, non? Nous sommes plusieurs ici. Nous qui sommes plusieurs. Et la Bible a dit, nous formons un seul corps. Vous voyez? Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Nous sommes dans cette enveloppe-là, dans ce corps-là, dans le corps de Christ, où nous avons la même foi, le même esprit. Parce que si nous avons le même esprit, il n'y a pas de discussion. Hein? Quand l'esprit parle, ce même esprit-là te dit, c'est comme cela. Amen. Et c'est la vérité. Tu n'es pas là, dit, non, 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 je suis là, non, 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 non. D'ailleurs, bon, je respecte, je me sens, mais ça, c'est pour là, je ne suis pas d'accord. Mais tu n'es pas d'accord, ce qu'il dit, tu n'es pas là. Il y a un problème. Des fois, quelque part. Vous savez, frère, le message n'est pas venu comme un jouet. On peut, c'est quelque chose de précis. Et aussi, une parole de Dieu qui est comme une épée, en fait. Et aussi un véritable jugement. Il faut se prouver parce qu'il dit, nous, il dit, nous,
formons un seul corps. C'est-à-dire c'est un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Vous suivez cela? Nous passons tous à un même pain. Donc, nous ne pouvons pas être en communion avec les démons. C'est ce qu'il y a un peu plus bas ici. Hein? Bon, je vais vous lire pour que vous puissiez vous croire. Pour que vous puissiez voir à faire venir. Voyez donc les Israélites, verset 18, selon la chair. Ceux qui mangent des viandes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole? Nullement. Tu dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Vous voyez? Donc, on ne peut pas venir de n'importe quelle manière. Hein? On vient avec notre groupe, effectivement, là, et puis on veut prendre la coupe du Seigneur. C'est-à-dire que nous avons notre propre façon de pouvoir voir, mais on veut quand même prendre, c'est là aussi, dans la communion. Non, mon frère, non, ma soeur. Nous devons être certains que nous voyons comme les saints et que tu veux que nous voyons. Et que si nous sommes en communion, nous allons voir. Pourquoi si nous ne sommes pas avec les catholiques? Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les catholiques. Moi, j'aime les catholiques. Amen. Mais c'est vrai. J'aime les catholiques. J'aime les baptistes. J'aime les protestants. J'aime les pentecôtistes. J'aime les mormons. Mais ce que je n'aime pas, c'est la tromperie qu'ils ont. Mais l'homme en soi, je l'aime. S'il veut rester catholique ou mormon, je respecte ses principes. Mais je ne suis pas dans ses principes. Et je ne veux pas avoir communion avec les catholiques. Parce que moi, les catholiques, il n'y a rien de commun. Mais l'homme, j'aime l'homme. Est-ce que vous comprenez? S'il faut aller, pour faire, je l'ai fait pour nous, non, je ne peux pas, monsieur. Je vous aime, mais on s'arrête là. Parce que avoir communion, mais vous participez dans la chose. Donc, si je dois avoir communion à cet endroit, je dois reconnaître que Seigneur, ça c'est ma place, ça c'est ma vie, c'est que la parole dit ici, je la crois, et je sais que c'est l'endroit que tu m'as mis. C'est comme cela que Dieu te bénira, autrement, tu ne seras pas béni. Tu vois, je l'hypocrite ici, envers nous, moi qu'on voit, ça ne sert à rien. Tu vas avoir un jugement avec toi-même. Il faut que tu réalises effectivement que non, ici il s'agit de discerner les corps. Ils ont la même foi que moi. J'ai écouté la parole de Dieu, mon âme a été touchée, alors je crois. Et c'est sûr et certain, c'est là que Dieu veut que je sois. Ben, nous sommes dans cette communion. Et surtout que nous nous retrouvons dans un moment pareil. Où nous voulons prendre la Sainte Seine. Mais c'est tout ce que nous désirons. C'est, ça fait partie de notre vie. Frère, c'est l'obéissance à la parole. Ça, c'est la mise en pratique. Je ne peux pas voir un frère qui, aujourd'hui, normalement, un frère ou une sœur, c'est une chose que, hein, le jour de la Sainte, je dois avoir à tourner les pages gauches pour voir où j'en suis. Donc, si je m'assieds ici et que j'ai une boule dans mon cœur à l'endroit de quelqu'un, alors c'est grave. Il faut qu'avant que je puisse passer là, s'il y a la boule, je dois m'arranger. Ne joue pas l'hypocrite en disant je suis connu de Dieu, ne te connais pas, si tu obéis à sa parole. Dieu te connaît quand tu obéis à sa parole. Alors maintenant, il faut t'examiner. Ne joue pas la communion avec ta vie. Non, non, oh, je suis un croyant. Non, 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 mon frère, ma soeur. C'est quelque chose de sérieux parce que tu bois un jugement contre toi-même. Je dois observer, je dois regarder. Est-ce que ça va bien? Ça va bien? Est-ce que je n'est pas la personne que j'ai quitté tout le temps ainsi, ainsi, ainsi? Non, 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 il faut que ton. Voyez-vous pourquoi chaque jour le Seigneur nous parle? Et nous soyons droits de notre cœur. Ne pas parler du mal, ne pas toujours la langue pendante, parler. Parce que là, tu te trouves dans une situation difficile, tu as parlé des choses. Pour ça, tu as téléphoné, tu as été parlé à gauche, à droite. Maintenant, il faut arranger. Et le pain est là. Tu ne vas pas toucher. Ah oui. Mais maintenant aussi, le problème, c'est si tu es assis là. Quand la coupe va passer, on passe à tout le monde. On va te regarder. Mais c'est vrai.
On va te regarder. Voici la coupe. Tu vas faire quoi? Même si tu fermes les yeux. Sœur, voici la coupe. Qu'est-ce que tu vas faire? Que Dieu bénisse ma vie. Vous voyez l'importance d'écouter l'évangile chaque jour. Amen. Et de mettre sa vie en ordre chaque jour. Amen. Parce que maintenant, si vous prenez ça sans avoir mis votre vie en ordre, c'est un jugement que vous prenez. Mais tu as toujours été spirituel tout le temps. Ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu. On présente la coupe maintenant. Ôte ses coups. C'est comme s'il dort. Il faut ôter ses coups. Réveille-toi, soeur. Réveille-toi, frère. La coupe est là. Prends la coupe. Parce que je suis en communion avec toi. Tous les jours, nous sommes là. Et puis, le premier jour de la réunion jusqu'à aujourd'hui, tu as toujours été là. La coupe est là. Prenons la coupe parce que nous voulons tous être bénis. Je ne veux pas que quelqu'un soit exclu. Vous comprenez? Frères et sœurs, quand vous venez ici, ne pensez pas que c'est un jour. Vous les gens parlent déjà parce qu'on chante, on sourit. Non, frère. C'est quelque chose de très sérieux pour votre âme à vous. Parce qu'un jour viendra où tu te tiendras devant la barre du jugement. Tous ceux-ci ne seront pas là. Tu vas être seul parce que tu fais qu'on voit que moi je suis, qu'on me considère que je suis ceci, que cela. Tu peux faire tous les spectacles possibles devant Dieu à la barre du jugement. Ce que tu vas répondre. Que je faisais pour que ce frère-là sache que je suis spirituel. Que la soeur là sache. Mmh. Regarde, où est la soeur en question? Où est-ce qu'elle est? Je suis seul. Oui, bien sûr, mais la soeur n'est pas là. Ici, à la barre du jugement, il y a toujours une personne qu'on juge. Toi, les autres, ils ne sont pas là, tu es seul. Où sont-ils? Ah, mais je faisais ça pour qu'ils voient que. Mais quand la parole de Dieu t'est répétée tout le temps, tu l'entendais pas? Tu le maîtrisais, dis-moi, je suis docteur ou doctoresse. Mais pourtant, Dieu s'est venu pour te parler. À la parole de Dieu. Et c'est cela que nous avons ce soir. Tout ce que nous devons faire. Alors, avant de pouvoir le prendre, il faut vraiment s'examiner. Ne soyez pas comme des vierges folles ou des fous, des singes, pas des fous, mais il faut que vous puissiez bien, bien vous examiner. C'est pas quelque chose qu'on doit prendre parce qu'on veut le prendre. On doit comprendre pourquoi. C'est maintenant que vous comprenez maintenant l'écriture qui dit, vous le lire avec vous, regardez. Vous vous souvenez, c'est dans cette assemblée, je crois les anciens savent. J'ai dit, depuis que le Seigneur m'a, parce qu'il m'avait repris, depuis qu'il m'avait repris, il y a maintenant, je ne sais pas si c'est 20 ans, combien d'années, je pense bien, jusqu'aujourd'hui, c'est comme c'était hier. Vous savez ce qu'il m'a dit? Et nul en son cœur ne pense du mal contre son prochain. Dis toujours la vérité. Amen. Il m'a dit, Amen. Ça a été gravé dans mon âme. Depuis ce jour-là, jusqu'à ce jour, je peux vous regarder. Vous faites ce que vous voulez, moi je ne dis rien. Je ne vais pas pécher en pensée. Vous dites, oh mais frère Léonard, il ne voit rien. Mais frère Léonard voit. Si le temps que Dieu ne m'a rien dit. Amen. Ah oui, frère. Amen. C'est la vérité. Amen. Et vous savez ce que l'Écriture nous dit hein, ici. Regardez. Dans 1 Pierre, chapitre 1. Vous connaissez l'Écriture. Et nous avons tous beaucoup. 1 Pierre, chapitre 1, verset 22. Ayant donc purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'Esprit pour avoir un amour fraternel sincère. Amen. Si nous nous aimons, il n'y a pas de soupçons. Amen. Amen. Non, 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 non. Il n'y a pas de je ne veux pas le voir, je n'ai pas envie de lui parce qu'il m'a fait. Non, il n'y a pas ça. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. C'est un bouclier pour toi. Amen. Amen. Tu vas pas être dans ces jours, je commence à se dire, ah Seigneur, où est-ce que, avec qui j'ai le problème? Non, je dors tranquille. Amen. Quand j'ai eu un problème, j'ai rejeté moi. Amen. Mon frère, c'est mon frère. Amen. Ma soeur, c'est ma soeur. Amen. Je les aime tous. Qui m'aime pas, c'est pas un problème. Amen. Tu vas prendre les pains même vouloir manger tout, tout ça. Alléluia. Oui, parce que ton cœur est tellement pressé, dit, Seigneur, bois, je vais boire. Amen. Mais tu ne parles pas comme on prend la coupe comme ça. Mais gloire à Dieu. Sœur, réveille-toi, c'est plus gloire à Dieu, maintenant c'est la coupe. Alors il fait le kilomètre, si c'est un frère, il fait l'eau, le fruit des fosses arrive là, vous me dites non, 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 Dieu bénit, Dieu soutient, Dieu glorifie, vous dit que frère, quand tu m'entends prier, passe. Quand la coupe vient, stoppe la prière, bois. Amen. C'est vrai?
Si un temps on prie, pour que Dieu nous pardonne, on prend la grâce. Un temps où nous devons prendre, c'est quand j'ai prié, j'ai bu, j'ai mangé, j'ai dit, oh Seigneur, merci. Tu m'as donné la grâce de vraiment prendre part à ces pains, à ces... Je peux prier 50 minutes, il n'y a pas de problème. Personne ne va t'arrêter à ce moment-là. On voit que c'est son âme qui exprime Dieu. Mais avant, non, parce qu'il faut que tu bois, frère. C'est important. Donc, nous réalisons que ce que Dieu nous dit dans la parole, c'est toujours important. Nous arriver demain ou après-demain. Il faut que chaque jour je sois prêt. Comme la Bible dit, il viendra comme un voleur dans la nuit. Pour être là, évidemment, c'est s'il n'est pas, il faut que nous soyons prêts aussi conscients de ce que le Seigneur. Nous terminons l'écriture en fait ici, dans au chapitre 11 de Ephésiens. C'est, on va dire 11 à 7. C'est pourquoi, c'est pour cela, pardon, il y a parmi vous beaucoup de fièvres et de malades. Et qu'un grand nombre sont morts. Et si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne savons pas juger. Vous comprenez? Pourquoi aussi la Bible dit que les jugements commencent à la maison du Seigneur. Si vraiment nous nous laissons juger par la pensée, c'est pour ça que quand Dieu aime quelqu'un, il ne va pas laisser tomber. Quand il fait quelque chose, la parole vient et dit, mon fils, ma fille, l'autre non. Mais le papa, il châtie celui qu'il aime. Hein. C'est la Bible dit non. Alors quand Dieu t'aime, il viendra toujours. D'une grâce, quand la parole vient, frappe ton cœur, il touche effectivement à l'endroit que toi tu as fait. Tu sais qu'il t'aime. Il dit, Seigneur, Père, pardonne-moi. Parce qu'il veut que tu demandes pardon. Il a une conciliation. Mais quand tu ne te laisses pas juger, tu as magasiné toujours, mais c'est pour aller te juger là-bas. Mais là-bas, qui va te défendre? C'est ici qu'il faut obtenir le pardon. Là-bas, il n'y a plus de pardon. Non, mon frère. Quand le temps de la grâce est terminé, tu es mort, tu meurs comme tu es né. De l'autre côté, là-bas, plus de compassion, plus de miséricorde. Terminé. Alors, nous continuons ici. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne sommes pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. C'est une grâce afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. C'est pourquoi nous devons nous examiner ce que nous sommes, réaliser l'importance de la parole que nous recevons et la grâce de pouvoir réellement entendre Dieu de nous parler et surtout de pouvoir avoir des dispositions telles que nous soyons obéissants. Pas respectant, pas des gens qui aiment toujours à discuter ou à toujours vouloir envenimer, ou de manière à vouloir toujours expliquer. Être de ceux qui, quand Dieu nous parle, nous nous taisons. Nous acceptons effectivement que ça nous plaise ou pas. Vivre la part de notre Dieu. Dieu veut que notre âme cesse de. Pourquoi il insiste cela? Parce que la langue, elle divise. Celui qui appelle le mal de quelqu'un divise le frère. C'est vrai ou pas? Mais qu'est-ce que le proverbe dit? Celui qui couvre la faute. Même s'il a fait celui qui couvre la faute. C'est pas moi qui dis, non? C'est la Bible qui dit. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche quoi? Celui qui couvre la faute, il cherche quoi? Il cherche quoi? Que Dieu vous bénisse. Vous savez, c'est l'écriture. Il cherche l'amour. Mais celui qui le rappelle tout le temps, qu'est-ce qu'il veut? C'est divisé, c'est blessé, c'est détruit. Donc nous devons apprendre. Même s'il y a une situation, et nous mettons à genoux, nous prions Dieu. Donc, lui qui est le Dieu qui contrôle toutes choses, qui nous aide pour que notre cœur ne puisse pas pécher, d'être souillé d'une manière ou d'une autre, et nous soyons prêts. Vous savez, aujourd'hui on a annoncé la sainteté. Garde les yeux, Mathieu 6. On a annoncé la sainteté. J'avais dit l'autre fois, mais ça viendra. Un jour, on va venir à ça. On a eu samedi, mardi, jeudi, et puis dimanche, personne ne vous dit rien. Vous rentrez, nous chantons, et puis vous voyez, ça nous a fait une fausse à la table. Il y a meilleur.
Vous allez faire quoi? Je vois beaucoup de gens sortir ici pour la toilette. Qu'est-ce qu'il y a, sœur? Oh, mais il était ici, on a prié. Qu'est-ce qu'il y a, frère? Il est sorti. Oh, j'étais pas prête. T'étais pas prête? T'étais pas prête? Parce qu'aujourd'hui, on vous a annoncé d'avance. Mais les jours viendront, on ne pourra pas vous annoncer. Parce que le Seigneur peut vouloir que nous le fassions aujourd'hui. Et puis, bon, demain, ou dimanche, ou même jeudi, ou dimanche après, nous puissions le faire. Que nous soyons prêts. Amen. Quand nous venons à la maison du Seigneur, quand nous entrons ici, le Seigneur, je me suis préparé. Il peut arriver quelque chose encore ce soir, je me suis préparé. Pardonne mes péchés, pardonne mes manquements, que mon cœur soit pur. Que ce soit là que tu me vois, simplement à travers du sang. Et c'est là que nous désirons. Nous allons prier.